Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino. Il s'agit de la découverte et bah, probablement du premier épisode de Future Unfolding, qui veut dire le futur se déploie, se déplie, plutôt littéralement se déplie, oui voilà c'est ça. Hein. Jeu qui m'a été offert par Koïma évidemment, merci beaucoup Koïma, il y a 2 ans de ça, un truc comme ça. Alors, on va faire. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit d'un jeu d'exploration en vue du dessus, avec des passages de réflexion. On va voir ce que ça donne dès maintenant. Nouvelle partie. Ici, j'écrase ma partie. Oh oui. Tu vois, Koïma, tu le dis, impec. Lol. Remotored. C'est à moi de jouer, faut que je fasse quelque chose. J'ai bougé le stick gauche, mais apparemment non. Je bouge la souris peut-être. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'intro? Appuie sur B pour bombe. Mais non. J'appuyais sur A. Ah ! Merde. Ok, c'est à moi, d'accord. Oh là là. Alors déjà, ça commence bien. Le jeu qui ne dit rien, c'est bien. J'aime ça. Ok, donc vous voyez, hein, c'est... on dirait du GTA, mais c'est pas du GTA. On dirait du GTA qui aurait été... Oh là là, c'est fort. On dirait du GTA qui aurait été changé par un... Bob Ross. GTA avec Bob Ross au design. Avec B, je fais un truc. Oh! Oh, je peux... Je suis sur le... Il faut que je le... Ah, yes! On se calme. Alors, c'est difficile à expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que je peux monter sur le... Non, non, reviens, reviens. Je peux monter sur le renard ou je sais pas ce que c'est. Sauf que, ben... Il bouge... C'est lui qui bouge, en fait. Mais des fois, je peux le guider, mais des fois, pas. Genre, il faut le dompter, en fait. GTA design par Bob Ross qui aurait pris du LSD. Ouais. C'est pas mal comme... Ok. Alors là, par exemple, il bouge tout seul. Là, je fais rien. Ok. Et il a décidé de me larguer. Ok. Je sais. Ok, c'est le bord de la map, là. C'est ça. Reviens, reviens. On peut aller vite. Reviens, reviens. Ok. Je veux pas aller par là, monsieur. Le... Ok, c'est moi où il y a des arbres qui poussent. Alors quand j'appuie sur B, ça me permet de... Ça le fait sauter aussi. Mais il veut absolument aller à droite. Donc ben je... Reviens. Reviens Léon, reviens. Tu reviens dans ta... Ah. Merci, ok. Il faut que je fasse quoi, faut... Je comprends. Ok, bon bah la merde. Je sais pas trop ce qui se passe. C'est joli en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très classe, original et tout. Est-ce que je peux... Oh... Oh, un mouton. Ah d'accord, le lapin il me suit maintenant, c'est ça? D'accord, donc on peut parler aux animaux et ils peuvent nous suivre. Ceux qui ont, sur lesquels on peut pas grimper, j'imagine. Du coup, je sais pas, je vais aller par là. Apparemment, ça... Ah d'accord, c'est changement de zone, en fait. La carte. Ok. D'accord, ça me va. Donc, c'est un jeu d'exploration, hein, donc on n'est pas guidé. Et bah, à nous de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il y a à découvrir.
Ça, c'est très chouette. Il a pas son pattern à lui? Bah peut-être, ça doit être ça, ouais. Je sais pas trop. Alors quand j'appuie sur A, je peux à moitié sprinter. Je sais pas s'il y a une limite. Ouais, je peux sprinter pendant un temps... un temps déterminé. Voilà, ça s'arrête là, comme ça. Ok. Le lapin dompter le loup. Peut-être. Pour l'instant, j'ai un mouton et un lapin à grandes oreilles. Un lapin à grandes oreilles, c'est un lièvre. Oh! J'ai fait un buisson là, mais comment? Je peux faire des buissons sous les lapins? C'est tout à fait logique. Voyons. Viens, lapin, on va faire des buissons. C'est étrange comme jeu. Qu'est-ce qui se passe avec X? Je sais pas, je peux rien faire avec X. J'appuie pas sur les touches encore, hein, il m'a rien dit. Allez, si, j'appuie. Allez. Ok, donc avec la gâchette au droite, on fait comme le A. Au gauche, pareil. Les deux gâchettes basses, ça fait rien. Le X, ça fait rien. Appuyer sur les sticks, ça fait rien. Le stick droit, il fait rien. Ok, bon. Bah on se balade. En tout cas, c'est paisible. C'est original. On peut pas descendre là, ok. On peut pas tomber, donc. Un arbre vert au milieu d'une forêt orange. T'as vu, Kalimuna? Très joli graphiquement. Ouais, c'est clair que la direction artistique est plutôt... plutôt classe. Plutôt classe. Il faut juste savoir ce qu'il faut faire. Alors, il faut pas s'attendre à ce que ça arrive vite, vite. J'ai pas l'impression que... J'ai l'impression qu'on tourne en carré, là. Donc, on fait ça. Potentiellement... Ah, on a laissé un mouton à droite, c'est ça? On a laissé le mouton à droite. Mais potentiellement, on peut aller à gauche, si je comprends bien le truc. Donc, forcément, on peut aller entre les arbres. Ou autrement dit, passer par la forêt. Voilà. Ça fait très tableau de peintre. Bah, c'est pour ça que je parlais de Bob Ross, en fait. C'est que... On a des arbres qui sont très heureux. Hein. Mais oui, effectivement, on a l'impression qu'ils sont faits pouit, 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 pouit pour la texture du sol. Ok, on peut a priori encore aller à gauche. En vrai, t'as pas besoin du lapin pour dompter le loup, ça semble logique. Hein? Bon, a priori, je peux pas passer là. Ou, enfin... Si, mais... Ok. Non, je pense pas qu'on puisse passer là, mais alors peut-être qu'on peut passer justement avec le loup. Je sais pas si c'est un loup ou un renard. Pourquoi est-ce qu'avoir un lapin, ça serait logique pour dompter un loup? Peut-être qu'après le lapin, on verra un renard et une belette. Tu lui donnes à bouffer. Ah oui, vu comme ça, ouais, d'accord. Bah écoute, ouais, on peut tester. On va tester, de toute façon, là, on est... Oups. On est... on semble être bloqué, quelque peu bloqué. Donc, ce sont des cerfs et des biches. Bah, j'ai vu, il y avait un cerf, mais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'était un... Que c'était un... Un renard, en fait. Après, je peux me planter, mais... Oh là là, qu'est-ce... Oh là là! Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est trippant. Pourquoi? Ah, ça va... Oh, ça va m'ouvrir le passage. Ah, trop cool. Moi, ça tue les arbres, par contre, ça, c'est pas très chouette. Hein? Yes! T'es où, machin? Il est où, le machin? Bah, pourquoi il n'y a plus de machin? Le loup, le renard et la belette? Bah oui, mais j'ai changé les paroles. J'entends le lapin, le renard et la belette. J'ai pas le droit. On se refait la même?
Allez. Shrink. Non mais, il faut peut-être lui dire de... d'aller par là, là. Voilà. Non mais, t'es où? Oh putain, encore? Et c'est quoi le truc marron que j'ai, là? Ah, oh là là, d'accord. On peut le faire là aussi, en fait. Est-ce que ça fait pareil? Viens. Non, en fait, ça, j'ai pas l'impression que je le dirige, en fait. Ok, donc ça fait kiff-kiff, en fait. Oh, salut. L'eau est sûre. Pas le sol. L'eau est sûre, mais pas le sol. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon, on avait dit qu'on essaierait de ramener le lapin à bouffer au renard. Si je fais trois buissons là. Je peux? Non, je peux pas lier les buissons, ok. Donc je vais revenir en arrière, je suis curieux de savoir ce que ça peut donner. En tout cas, donc il reste a priori les triangles. Mouton. Ok. Viens là, mouton, s'il te plaît. Merci. Ok. Donc là, il y a un... Ça, c'est un cerf. Et là, c'est quoi? C'est une biche ou c'est... Ouais, donc c'est un truc qui veut pas manger le lapin, en tout cas. Mais effectivement, on dirait pas une... Mais il veut pas aller ailleurs que par là. Il veut aller par là, absolument. Bon, on y va. Hop. Ah, il nous suit pas, par contre. Ok. Ah, est-ce qu'on peut grimper sur l'autre? Ça sert à rien, lol. Un Mozilla, c'est toi Mozilla. Eh, viens là toi. Je sais pas. Merde. Ok, c'est un peu le... Ouh là là. Qu'est-ce qu'on fait alors? On continue à partir à gauche du coup? On va aller en haut en fait. On est parti pour aller en haut là. On va aller voir en haut ce qui se passe. De toute façon, c'est là, on est là pour explorer, donc... Il est où le mouton? T'es où, mouton? Mouton! Viens là. Viens là. Merci. Faut savoir si ça va être utile après, mais bon... Il est chiant ce mouton, hein. Il est con comme un mouton. Ok. Alors que le lapin, eh ben, il est malin. Non mais sérieux. Non, il veut pas venir. Pff, tant pis, on va le laisser le mouton. Le mouton, il est relou. Ok, qu'y a-t-il par là? Donc là, il faut qu'on trouve des arbres. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut faire là? On peut pas le faire là, il faut des arbres bien démarqués, j'imagine. Oh, salut J'ai mouru.
Dit le gars qui se fait suivre par un mouton, un lapin en montant sur le dos d'un cerf. Oui, bon, ok, donc on peut mourir. On peut mourir. D'accord. Et du coup, j'ai perdu mes animaux. C'est ça? Est-ce qu'ils sont toujours là, les trucs? Est-ce que je peux faire un triangle? Comme ça? Non. Ok. Est-ce que je peux faire un... Est-ce que je peux... Ah, ok, d'accord. Mon Dieu. Merde. Bah du coup, je suis baisé là, en fait. C'est ça. On peut pas virer... On peut pas virer les traits. Merde. Coucou, Jim là-haut. Bah t'as va. Et toi, t'as va. Est-ce qu'on peut faire un triangle avec cela? Non. Mon Dieu, une grotte. Alors, est-ce que ça a annulé les traits que j'ai fait? Mon Dieu, une grotte. Ça n'a pas annulé les traits que j'ai fait. Fais chier. Si toi t'as va, moi t'as va. Eh ben, si toi t'as va, bah tout le monde t'as va. Ok, on peut pas. Non, on peut pas. Ok, donc a priori. Oh là là. Oh mon Dieu. A priori, il faut faire attention donc. Wow, il sprint aussi, c'est con. Donc faut faire attention aux arbres qu'on active apparemment. Donc serait-ce un jeu d'énigmes et d'exploration, c'est-à-dire qu'on sait pas ce qui se passe, on sait pas où on est, on sait pas pourquoi on y est, mais on y est et il faut avancer. Pourquoi on sait pas, où on sait pas, comment on sait pas, on sait rien. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on peut se déplacer comme ça, sprinter avec le bouton A pendant une certaine durée, le temps que Twitch ça revienne comme ça. On peut parler aux animaux. Pour qui nous suivent, sauf les moutons cons. Les moutons, on leur parle. Et puis, ils nous suivent un peu. Mais pas trop. Donc, tout à l'heure, ils suivaient pendant longtemps, mais là, il en a eu marre. Je sais pas pourquoi. On peut parler aux lapins, on peut monter sur des biches et des cerfs et des renards, et je sais pas quoi. Même si ils nous obéissent pas forcément. C'est joli, ouais. Non, on a déjà conclu que l'aspect graphique est plutôt chouette. On sait aussi qu'on peut créer des espèces de bouboules d'énergie en associant trois arbres en triangle, sachant que le triangle ne doit pas être écrasé et qu'on ne peut pas virer les traits qu'on a déjà fait, malheureusement. Donc là, par exemple, cet arbre-là, on l'a associé avec ça. Mais vu que celui de droite est déjà associé à quelque chose, on peut plus le reprendre. On peut pas pas l'associer là avec ça, marche pas. Et ça marche pas non plus parce que c'est plat. Et là, on peut pas virer le trait non plus, c'est naze. Ok, on va rentrer dans la grotte. Regarde ce qui se passe dans la grotte. Bonjour. La nature n'est pas fixe, mais fluide. L'esprit l'altère, le modèle la crée. L'immobilité ou la brutalité de la nature est l'absence d'esprit. L'esprit pur est fluide. Il est volatile, il est fluide, il est docile. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, donc c'est là où on doit aller, en fait, c'est ça? Alors ça, c'est la map. Ça, c'est la carte. Ok. On peut zoomer, dézoomer, rezoomer. Zoomer plein. Nom de Dieu. Ok, donc on doit aller au sud. Pourquoi je ne sais pas, mais on doit aller au sud. Qu'est-ce qu'il y a ici alors? Il y a un autre côté de la grotte. Mince, j'ai mis les pieds dans la grotte. Mince, j'ai marché dans la grotte. Ça dépend, t'as marché du pied gauche ou du pied droit dans la grotte? Putain, merde, à chaque fois je... Ok, donc là on est là.
Ok. Ah, mais ça se voit sur la map. Regardez, on voit les arbres qu'on a associés, en fait. Comme là, on a fait les triangles. Alors, quand on fait des triangles, ça fait un sprout qui nous a permis d'aller plus à gauche. C'est bien. Là, on peut pas... Ok, on peut pas. Donc, faut faire gaffe. Oh. Psst, stop, psst. Eh. Donc voilà, là, on peut monter sur le dos du machin, du cerf. Mais on peut pas vraiment le contrôler, en fait. Et là, il nous lâche au bout d'un moment, quoi. Donc, je sais pas s'il y a un truc à faire avec ça. Le lapin, on lui cause. Et après, il nous suit. Parce qu'il est gentil. Pas comme le mouton. Et là, on n'a pas d'arbre qu'on peut utiliser, a priori. C'est pas grave, on va aller là-bas. Et le lapin, faudrait savoir à quoi il sert aussi. Oh putain de bordel de loup. Ça, c'est, je sais pas ce que c'est, mais. Ah, ils vont peut-être bouffer le lapin. Hein. Oh, le lapin. D'accord. Le lapin, donc, je sais pas si lequel a bouffé qui, mais. En tout cas, le lapin et le loulou sont morts. Sauf que. Est-ce qu'ils se sont dédoublés? Est-ce que les autres sont là? Non. D'accord, donc un lapin, ça nous permet de buter des loulous. Pas tous, non. Oh là là. Et on peut mourir, hein. Tout là, on est mort quand t'es arrivé, Jim, là-haut. Ok. Et donc, c'est un peu bordel. Faut bien l'avouer, hein. Des piafs. Alors, je sais pas si je fais une voix merci, Avia, mais je sais pas trop ce qu'on a réussi à faire, en fait. Je sais pas si... C'était ça. La tortue a donné vie à la terre. La tortue la lui reprendra un jour. Aucun d'entre nous ne vivra pour le voir. D'accord. Qu'est-ce que... C'est un téléporteur. Nom de Dieu. It's a téléporteur. Ok, donc on... Oh, salut. Pourquoi t'es là, toi? Comment ça se fait? Oh, ok. Ok. Bah écoute, écoute, il veut qu'on aille en bas. On va aller en bas, hein. On va pas se... Salut. On va aller en bas. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais. Oh, un œuf. Nye. Je sais pas si ça... Ah, peut-être que c'est pour pouvoir continuer à sprinter, en fait. C'est ça. Donc ça, les œufs là, les œufs là plutôt, ça nous permet de sprinter plus longtemps au final. Ouais, c'est logique. C'est logique. Ok, c'est des recharges de sprint quoi. Après. Ça repousse, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas si on peut aller en bas, là. A priori... oui. Y a quoi, là? Salut, ça va?
C'est bizarre parce qu'on peut aller dans la forêt. J'ai l'impression qu'on est vraiment. C'est bien fait en fait. Le sentiment d'être bloqué par les arbres. Mais de pouvoir quand même passer est franchement bien rendu en fait, je trouve. Par contre, je vois pas trop où on pourrait passer au sud ici. Mais bon. Là-bas, il semble qu'il y ait un trouillou. Un petit trouillou. Allons voir le trouillou. Ah oui, mais non. Bah non. Par contre, on dirait qu'on peut vraiment... Ok. Est-ce qu'il y a moyen de grimper, là ? Non, j'ai pas l'impression. Là, il y a une grotte, par contre. Donc, en fait, il faudrait ressortir vers cette grotte-là. Ah, on peut monter, là, par contre. Ok. Et alors, par contre, je sais pas si vous avez compris, mais les... Oh, c'est classe, ça. Ce que le loup blanc nous dit, là, moi, j'ai rien pané, hein, personnellement. Mais c'est très classe, en tout cas. Salut. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Retourne-toi lorsque tu me verras. Je deviendrai plus que tu ne pourras le gérer. Excusez-moi. Pareil, là, je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Mais c'est pas grave. Ok. On va essayer de tout découvrir, hein, toute la map, puis on verra bien ce qu'il faut faire après. Allez, bon, d'accord, là je me suis fourré. Mais on peut même pas sauter en fait. On peut pas sauter, tomber d'un étage. T'as pas pris assez de LSD pour jouer au jeu. Ouais, t'as probablement raison en fait. Ah, on peut passer par là. T'as probablement raison, tu vois. Alors les œufs ne repoussent pas, mais par contre, si ça se trouve, ils repoussent quand on est... après avoir zoné. Ok. Par là. On cherche une entrée de grotte, en final. Ah, je veux pas mettre des mains, là. Non plus. On chercherait une entrée de grotte qui permettrait de ressortir par là en fait. Donc faut aller au sud. Là le seul objectif qu'on a c'est d'aller au sud du monde quoi. Donc après on peut aussi décider voilà. Enfin, de toute façon j'imagine que c'est juste un jeu de contemplation. Enfin. Pas que, mais une bonne partie de contemplation. Donc, on va juste se balader et contempler. En tout cas, c'est exactement le genre de jeu auquel je m'attendais, en fait. Tout zen, tout peace. Et incompréhensible. The fuck? The fuck happened. Ok, donc en utilisant l'arbre là, je me suis retrouvé au début. Ok. Pas utiliser celui-là. Et là, il y avait des oisillons, mais ça se voit sur la map, donc c'était quelque chose d'important, mais il n'y en a plus là. Bizarre. Ok, on va essayer d'aller à droite là, à l'est. Apparemment, on n'y a pas été. Il n'y a rien. Mais là, il y a un autre truc de téléporte. Ok.
Et on revient au début à chaque fois. C'est pas chouette. Attendez. Voilà, c'est par là. Là, on connaît pas par là. Non. Mais merde. Oh, ok. Est-ce qu'il faut activer tous les arbres comme ça, là ? Il y en aurait un autre en bas. C'est bizarre. Attendez, on va aller voir par là. Trois. Donc là, il reste celui-là. Qu'on n'arrête pas. Bah, il n'y en a pas. C'est bizarre. Il n'y en a pas ici, ok. Par là, on connaît. C'est quoi ça? C'est un... Ok, on peut pas grimper là. On dirait qu'on pourrait potentiellement, mais non. Ok. Bon, donc du coup, là, je propose d'aller en haut à gauche, alors. Heureusement qu'il y a une map. Hein. Imaginez s'il n'y avait pas de map. Ça me fait penser à Fall of Light aussi. Je pense que c'est le type de graphisme qui me fait penser à ça. Vachement stylisé. Et les déplacements, forcément. Ok, donc je sais pas si on peut aller là-haut. Pas l'impression. Non. Ok. C'est Keblo. Ça y est, on part à gauche. Bon, sinon, Koïma est toujours là. Je crois qu'il non, il a dû partir, je crois. Koïma ou Pomme, c'est toujours là. C'est toujours bien prévu pour vendredi, la fibre. Ok, là, c'est nouveau. On connaît pas par ici. C'est bloqué. Alors, moi, ils ont commencé les travaux dans ma rue, là. J'étais sceptique, mais là, les travaux ont bifurqué. J'ai l'impression qu'ils s'attaquent au haut de ma rue. Alors, je sais pas si ça veut dire que dès qu'ils auront fait les travaux devant chez moi, ça veut dire que c'est bon, ou s'il faut attendre que toute la rue soit faite, je sais pas. Bruit. Ok, après on a fait tous les chemins là. Il y a là, mais je comprends pas comment on peut remonter. Vous en pensez quoi, vous, à part que c'est joli? Parce que à jouer, c'est intriguant. Mais je me dis qu'à regarder, c'est peut-être un peu lourdingue. Parce qu'il se passe pas grand chose en fait. Ok, alors est-ce qu'on peut aller par là? Ah oui, non, on peut pas aller par là malheureusement. On dirait qu'on peut, mais on peut pas y aller. Alors peut-être qu'il faut avoir un animal, je sais pas. Mais là, c'est joli. Oui, c'est joli, ça c'est sûr. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est joli. Blue Heat. Bon, on va remonter parce que je vois pas trop quoi faire du coup. Allez. Bien. Et toi là? Alors si je fais rien. Ok, il me lâche au bout d'un moment. Je peux pas le diriger quoi. Ça c'est nouveau ça. Oh. Ok. Huh. Ah. Je m'attendais pas à ça. Intéressant.
Ok. En bas à gauche dans la forêt, allongé le bois. C'est... Non, c'est cool, il n'y a juste pas grand chose à dire. Oui, non, c'est clair, c'est sûr. Oui, il y a un loulou. En bas à gauche, est-ce que j'ai longé le bord? Probablement pas. Là, peut-être qu'on peut aller à gauche, je sais pas. Salut. Tu dois être né dans la famille des marcheurs. Et un autre, une autre bubble de téléportation là. Ok. Je vais juste marquer les, délimiter les, ce qu'on peut faire. Il y a tout à gauche là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois être né auprès des marcheurs. Quoi? C'est parce que je suis un marcheur, c'est ça, hein? C'est ça, à vous? Parce que j'arrête pas de marcher? Nom de Dieu. Allez. Ok. Ouais, d'accord. Ouh là là, on est loin. Ah bah, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Aller loin. J'ai l'impression qu'on est arrivé au sud. Si ça se trouve, on peut peut-être rentrer par la grotte. Merde. Il y a... Oh, what? Trop cool! On nage! On peut pas les attirer, les... On dirait des requins, là. T'es un péripatéticien, ouais. À force de marcher, ouais. Ah, mais du coup, là, on arrive là où je pensais aller, c'est-à-dire à la grotte, en fait. On va aller voir. Hein. Oh là là. Oh, salut. Quand les autres animaux sont venus s'installer, les lapins se sont alliés aux cerfs et aux moutons. Ils ne voulaient pas nous ici. Nous avons dû nous unir pour faire valoir nos droits. Ici, la paix est fragile. Ok. École péripatéticienne ou école péripatétique, elle est l'école philosophe fondée par Aristote, tire son nom qui aime se promener. Aristote enseignant au lycée d'Athènes en marchant avec ses élèves. D'accord. Que ça nous amène. Oh merde. J'avais pas prévu ça. Oh, qu'est-ce qui se passe là? De Il y a des téléportes partout, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que... Oh là là. Mais lol. Ok. Caresse un lapin. Fais-toi un ami. Pardon? Dit comme ça, c'est bizarre, monsieur le loup. Oh, il y a un truc qui est pas naturel, là. Un triangle. Est-ce que si je vais là... Ça m'amène où? Oh là là, oh, bah, on est proche de, du cercle. Il y a pas mal d'Aristote au bois de Boulogne. Lol.
Disparaissez, bande de rochers. Ça rime en plus. Magnifique. Quand je suis dans le cercle. Maintenant, il faudrait éliminer ça. Oh, on peut faire ça comme ça, là. Je peux pas le prendre, celui-là, là ? Merde. Merde, il me faut un autre. Ok, faut planifier, en fait, ces conneries, là. Là. Je peux pas l'accrocher ? Tu te fous de ma gueule ? Oh, mais non, mais bordel ! Pourquoi je peux pas l'accrocher, là ? Oh là là, putain. C'est abusé. Ok. J'ai pas mal de drops, je dois refresh. Ouais, d'accord. Je vais diminuer. Hop. Je diminue le débit. Tiens, c'est quoi ça? Ah bah voilà. On va utiliser ça. Ça. Est-ce qu'on peut faire un carré? Plutôt un losange. S'il te plaît. Faut faire deux triangles là. Eh ? Oh, j'ai réussi à l'annuler, dis donc. Ok, double clic. Ok, sir, an apologies. Bah, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute. C'est la faute de... What the fuck ? Sauter. C'était pas prévu, ça. Je peux sauter sur une arbre. Pourquoi est-ce qu'il y a une croix de pierre, de caillou? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Je sais pas si on peut vraiment GG avec ce genre de jeu. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, c'est hypnotisant comme truc. Et surtout très intriguant. Je veux savoir ce qui se passe et comment qu'est-ce qui quoi, hein? Voilà. Profiter des moments où il y a moyen de les placer. Bah ouais, mais... quoique maintenant, je pense que j'ai réussi à trouver une façon de les annuler, en fait. Ça continue à drop, hein. Je suis désolé. Je peux rien y faire. Je peux baisser encore plus. Je vais baisser encore plus. Dommage, hein. Mais bon. Ah, c'est pour exactement ce genre de truc que j'ai pas envie de faire, des jeux que j'ai envie de faire depuis longtemps, genre Gabriel Knight 2 par exemple. Je ne le ferai pas avec des drops, pas possible. Ou par exemple, il y a un jeu d'horreur là que Pomme m'a offert qui s'appelle Moons of Madness. Je ne veux pas le faire. Je peux pas sauter là, il faut un arbre vert pour sauter absolument. Ah mais peut-être qu'il faut un lapin pour pouvoir faire des buissons et sauter par-dessus les buissons, une connerie comme ça. Donc ouais, Moons of Madness, impossible, je peux pas le faire sans qualité, parce que ça je l'attends depuis longtemps.
Enfin bref. Aïe aïe aïe. Salut les piafs. Alors ça, ça s'affiche sur la map une fois que on fait envoler des oiseaux et ça s'affiche sur la map. C'est fort. Mais c'est pas cool, au final on a du délai, on réagit 3 heures après. Bah ouais, non, je sais bien. Et on loupe des passages, je n'y peux rien. Mais ouais, ouais. Ok. Donc alors, est-ce que je peux... Est-ce que je peux couper ? Il faut que j'aille sur un autre. Je comprends pas. Pour le couper. Ok. Coucou Twista, bienvenue, comment vas-tu? Salut, salut, salut. C'est bizarre. Merde, je suis câbleau. Ah non. Ah, mais je l'avais fait tout à l'heure. Tu fous de ma gueule. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je reprends la grotte. Alors, si je rentre, il sera toujours là le truc. Ok, d'accord. Donc, je reprends la grotte. Ça va bien, Twista? Et comment j'ai fait pour pouvoir me barrer? Je sais même plus. Je vais par là. Et après, je repasse par là. Ok. Donc ça détruit tout le bordel. Voilà. Que ça? Ah non. Encore, allez. Continue. Ouais, nickel. Allez, voilà. Continue. Très bien. Magnifique. Donc on a détruit ça. Hein. Merci. Est-ce que là ça va marcher avec ça? Non. Est-ce que ça peut marcher avec celui-là là? Non. Ah, on peut virer ça. Ah bah voilà! Regardez! C'est ça qu'il faut faire! Enfin, j'imagine, à vrai dire, j'en sais rien. Mais ils en. Je le mets où le dernier? DMC? Je le mets où le dernier? Il manque un truc là. Il faut peut-être faire un carré. Ok. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Reconstruit depuis la gauche. Maintenant, il faudrait que je vire la droite en fait. Ok. Il faudrait que je vire la droite là. Après, on a installé la fibre avec Future Unfolding et Elkino. Prochain titre. Et ça, c'est un titre qui est énervant plus qu'autre chose en fait. Ça, tu m'as. Alors, à mon avis, il faut réussir à virer ça là. Mais il faut les fleurs, les petites fleurs. Ah! Ok.
Direct à saline électrique. Ah, ok, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, vu comme ça. Non, hop là. Ok. Il doit y avoir bon café. Bon café, tu as ma... Il doit y avoir autre chose. On n'a pas vu. Hein, parce qu'on fait une croix, là, en fait. Et je me dis que, bah, logiquement, il faut qu'on aille faire le côté droit de la croix. Ce qui est logique. À tous les coups, c'est dans la flotte. T'as pas l'air de partir de la flotte, en fait. Comme ça. Mais pour ça, il faudrait aussi réussir à virer ça. À moins que... On fait juste ça, tout connement. Non, il y en manque un. Ah bah ok, d'accord, il n'y a pas besoin de virer le reste, d'accord. Yeah! Yeah! C'est vrai que ça fait très... C'est vrai que ça fait très ligne électrique en fait. C'est pas chouette ce qui se passe derrière là. Oh ouais! Qu'est-ce qui se passe? La tortue! Non! J'étais aspiré. Merci, mais je suis mort. I am mortadelle. Pour tout vous avouer, je pensais pas mourir là. En fait. Ah voilà. Ok, on se calme. Il est où le truc? J'essaie de le récupérer. Ah non, en fait, d'accord. Ok, en fait ça m'a mis après. Ça fait pousser du bordel là. Je comprends pas tout, du coup je mets GG quand il y a des trucs qui brillent. Ouais mais c'est ça en fait, moi non plus hein, je comprends pas tout, t'inquiète. Hé hey, lapin! Viens là mon pote. Moi non plus, Avia, je pense que c'est normal. Ah bah oui, parce qu'il y avait les cailloux en croix, c'est ça, hein. Est-ce que tu te cherches un but? Ne cherche plus, il n'y a nul but, seulement une présence éternelle. Le passé s'est replié sur le futur. Ce que tu deviendras, tu l'es déjà devenu. C'est ça, l'éternité. Eh ben... What the fuck is happening? Ok. Bien. Viens là, lapin, que je te fasse bouffer par les méchants. Exactement, t'as tout compris, Avia. Bon. Là, il y a un truc, là. Comment on fait pour rentrer, là? Il faut un arbre. Wow, on se calme! Ah, c'est ouvert, là-bas. Le truc, il a ouvert. Ah. Oh, what? Eh, hey, s'il te plaît. Ça va pas, non. Oh putain, j'ai une illumination sur la map. Je crois capter. Tu captes quoi? Tu captes quelle chaîne? Parce que je capte pas grand chose là. Peut-être que je mette une grande fourchette. L'éternité, c'est une sorte de boucle temporelle, d'après le grand loup. Quand le passé se repliait sur le futur. De ce que j'en comprends. D'accord, Twista. Oui. Non, mais si. Non, mais t'as raison. Le futur est...
Et le présent et le passé, tout est replié sur lui-même. Bah oui, forcément. Du coup, c'est l'éternité. Non, mais t'inquiète. Non, mais en plus, t'as raison. Hein. C'est ta raison. Mais c'est clair que si tu fais une boucle temporelle, au final, y a pas mal de films, de bouquins, j'imagine, de séries télé qui ont fait leur thème. Si tu prends par exemple Un jour sans fin, c'est quoi? C'est le jour de la marmotte, ça s'appelle? Et ben, au final, le mec, il vit une éternité. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas rien faire, ok. Donc, et bah oui, forcément. Le passé, le présent et le futur sont en boucle. Retour sur le futur, du passé, de l'avenir. C'est ça. Tu sais, les dessins bouddhistes avec le sable? Pas du tout. Tu veux dire les mecs qui font des dessins avec du sable qui disparaît, c'est ça? Le sable, c'est temporaire. On est dans un... On est enfermé, là. C'est pas très chouette. C'est pas très... Ouais, ouais. T'as trouvé LSD, toi. Ok. Lucy in the sky with diamonds. À chaque fois, ça me fait penser à ça, forcément. Qui font les moines bouddhistes dans le sable, en dessin. Mais en fait, non, mais c'est juste que... Je sais pas si c'est exactement ce dont Avia... Oh bah tiens, c'est à la fin qu'on trouve la bouboule. Là. C'est à ça que Avia faisait référence, mais... Il y a des gens qui font des dessins avec du sable, de couleur, et puis bah, au final, c'est éphémère tout ça, puisque ça va s'en aller forcément avec le vent. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit d'origine bouddhiste. Il y a aussi la chanson White Rabbit, en l'occurrence, de Jefferson Airplane. Ah bah oui, allez, j'adore cette chanson. Qui était dans Las Vegas Parano. Mon dieu. Mais White Rabbit, c'est pour... c'est pas la même drogue, pour le coup, Thomas. Parce que Lucy in the Sky with Diamonds, c'est bien parce que le titre fait LSD, au final. White Rabbit, c'est plus pour la cocaïne, j'imagine. Alors je sais pas si, ouais, si on dit, c'est quoi là, c'est quoi ça, t'es quoi toi, tu fais quoi toi, pourquoi oh allez cache moi, on peut rien faire avec ces trucs là, je sais vraiment pas ce qui se passe ici. Par rapport que le lapin d'Alice au Pays des Merveilles et le LSD, ben forcément si, Alice au Pays des Merveilles effectivement, mais le lapin blanc et le blanc c'est pour de, c'est... enfin pour moi c'est de la cocaïne, mais après je sais pas, mais que tu répiles à ça désiré. Eh, je suis où? Ah je suis là. Eh, le lapin là, on peut avoir deux lapins? Ouais, on peut avoir deux lapins copains. Deux lapins copains. Pilule bleue, pilule rouge. Ah bah moi je prends la verte. Hein. Ça, sans hésiter. Ok, alors déjà, qu'on regarde, on doit aller où? On doit aller ailleurs. Par exemple ici, on est où? On est là. Mais attendez là, s'il vous plaît, là, j'ai changé de map ou quoi? Je comprends pas. Je comprends pas où on est. Ça nage les lapins? Ça se fait bouffer par les requins, c'est ça non? Relie les lapins. Quoi? Déjà j'en ai perdu. Wow! Yeah!
Yeah, on a tué les loulous. Il est où l'autre lapin? D'ailleurs, ils sont pas morts les lapins en fait. En rond? J'ai eu un succès en rond. D'accord, comme les papates. Pour avoir plein de lapins et gonore pour les méchants. Vraiment, on a déjà buté plein de méchants là. Tu peux dire GG parce que ça a fait des lumières. Merci. Tu peux revenir au début, je crois qu'on a perdu le mouton. Ouais, mais le mouton, Kalimoun, t'as pas suivi. Le mouton, il a pas voulu suivre. Hein. T'as fait comme le mouton d'ailleurs, t'as pas suivi. Le mouton, il a fait... Non, j'ai pas envie d'avancer par là. Du coup, on a essayé 2-3 fois et... La merde. Qu'est-ce que ça dit? Tu pourrais penser qu'il reste à peine... quelques mystères dans ton monde. À peine. Heureusement, tu es ici maintenant. Si tu le dis. Ok, bon ben... Téléportation. Et tu t'es TP avant. Bah ouais. Ok. Là, on a changé de... On a changé complètement de... De map, en fait. C'est ce qui me choque. C'est ce qui me choque grave. Hein? C'est ça, en fait. Je sais justement si tu arrives à revenir à TV avec cette map de ouf qui est vierge. Hein? En gros, il te dit qu'il y a moins de mystères dans ce monde, celui du jeu, que dans ton monde réel. Moi, je me demande s'il parle pas du monde d'avant. Parce que là, en fait... On est sur une nouvelle map, en fait, une nouvelle carte, j'ai l'impression. Hein, puisque ce qu'on avait découvert avant, c'est plus là. Et ça m'énerve, d'ailleurs, parce qu'il y avait d'autres trucs à faire, j'imagine. Ou alors, je sais pas. Et puis, notre objectif, il était sur l'autre carte. Encore un triangle chelou, putain. Triangle chelou. Mais sinon, oui, t'as peut-être raison aussi, tu vois, je sais pas. Triangle chelou, est-ce qu'on peut venir te voir? Viens là, triangle chelou. Hey, je perds un lapin. Ah non, c'est bon. Ah ah! Chut. Mm-hmm. Pour aller au triangle chelou, il faut probablement trouver... Une grotte. C'est Zarbi. C'est effectivement très Zarbi. Je ne dirais pas mieux. C'est ultra Zarbi Walou. Putain, je suis bloqué contre le bordel. J'ai perdu mes lapins. Revenez là. Bob. Lapinou. Lui, on va l'appeler Bob, et l'autre, on va l'appeler Twinsen. Twinsen, reviens! T'es où, Twinsen? Putain, il s'est complètement paumé, ce con. Et mais il y a Bob qui est resté maintenant aussi. Bob? Oh non, là! Ah, ils sont là. Viens. Voilà. Toi, tu viens aussi. Voilà, vous restez. Avec Meva, s'il vous plaît. Suivez là. Ok. Là, y a rien. Je vais trop vite pour eux en fait. Est-ce que je peux aller par là, là? On te l'a bouffé. Non. Apparemment. Ah putain. Il est où Bob maintenant? J'ai Twinsen mais j'ai pas Bob. Bon, c'est pas grave. Ouais, je les reconnais, ouais. Salut. Hein? What? Il s'est visiblement passé un truc, je peux plus rien faire. Donc ben, ok. Donc on peut faire des trucs sur les... triangle, enfin des pyramides en fait. Putain.
toi. C'est en 3D. Poum, pim, poum, poum, pim, poum, poum, pim, poum. Ah, bah oui. Ça marche qu'un... Oh non. Tu peux pas descendre, toi. Putain, ça marche qu'on a dans un sens, ces trucs-là, en fait. Je me demandais... Du coup... Chier. Ouais, on a dû sûrement activer un truc, effectivement, Calimoon. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Moi, j'étais arrivé en bas, là. Quand j'étais arrivé en bas, bordel. J'arrive, Twinsen. Bouge pas. J'arrive, t'inquiète. Papa arrive. Par là, non? Ce bordel. Pire, 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 pire. Là, il y avait un loulou en plus. Tiens, viens Twinsen, viens avec moi. Tu viens? Ok. Il est d'accord. Je pensais pouvoir ordonner un univers. Juste ça, tu pensais pouvoir faire juste ça, d'accord. Ok, y a rien. Bon bah j'imagine qu'on prend le téléporte, hein. Et on est là. Ok. Le problème, c'est que notre objectif, il est dans l'autre map. Sur l'autre map, je comprends plus ce qui se passe et pourquoi ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Oh. What the fuck? Ça va vite. Twinsen! Twinsen! Non! Mon lapin! Oh. Merde. Juste, ça serait cool d'ordonner l'univers, c'est vrai. Mais il m'a juste dit ça, je veux dire. Je veux plus. Ok, Twinsen, il est là. Ouais, mais ah non non non. Oh mon dieu. Comment je fais? Je dois bien pouvoir descendre par un endroit là. Genre là, là. Yes. Non, non, non. Twinsen. Ok. Non. Viens là. Viens là. Viens là, le Napa. Napa. Ok, c'est bon. Ok, un autre triangle. Triangle pyramide. Comment on fait pour y aller? Oh. Allez, viens. Par là. Oh, c'est pas facile. S'il faut que je monte sur un truc, peut-être. Yes! Sweet Twinsen! Merci. Ah, merci, c'est bon. Arrête, tu peux me lâcher. Lâche-moi. Lâche-moi, il veut pas me lâcher. Il veut pas. Putain. D'habitude, il... Ok. Tu me lâches. Ah mais j'ai l'impression que là c'est moi qui le contrôle. En fait, j'arrive juste pas à partir. Ah voilà. Ah bah putain. Ok. Le truc c'est que dans l'autre map, il y avait aussi des trucs comme ça à activer. On n'a pas réussi à les activer. Ok, un mouton. Mouton. Comment on l'appelle le mouton?
On l'appelle trop con. Ok. Merde. Bon. Je sais pas si ça vaut le coup. J'aurais peut-être dû aller dans la caverne, mais bon. Voir si Alibaba y était. J'ai honte de cette blague. Tout à fait. Eh bien. Viens. Putain, il veut pas. Sean, ok, Sean. Sean the sheep. Ok. Allez, Sean et Twinsen, vous venez. Je passe. Ok. Voilà. Tu peux me lâcher maintenant. Je vais me lâcher maintenant, merci. Oh, il y a un deuxième. Il y a plein de moutons! Oh là là, mais ça fait trop de moutons là. Sean 1, Sean 2, Sean 3. Et un lapin. Nommé Twinsen. Ok, on va par là. Oh putain, ils sont trop cons les moutons, sérieusement. Regardez quoi! Il capte rien. Au bout de 2 mètres, il reste. Il se barre. Il reste, ils en ont marre. Ok. Le truc, c'est qu'on sait vraiment pas où il faut aller. Donc, on se barre. Viens. Venez. Et. Bob. Voilà. Bon, on va perdre les moutons, mais... Bordel. Ah non, ils arrivent. Ah. C'est vrai qu'ils sont super cons. Ah, je peux faire des trucs avec les moutons. Descends. Allez. Merde. Non mais putain, c'est lourd. Oh là là. Viens là toi. Tu veux pas, s'il te plaît. Merci, allez. Lol, il est curieux. Il n'y a que les modos qui peuvent faire des quotes. S'il y a un modo qui veut la faire, il peut la faire, il n'y a pas de souci. Ok, après... Il s'arrête jamais le vent là. Oh là là. Oh mon Dieu. Ah, putain. Yes. Alors allez, je sais pas comment j'arrive à le dompter d'un coup, je sais pas. Mais il y a eu domptage et j'ai plus rien. J'ai plus de moutons, j'ai plus de lapins. C'est fini. J'ai plus rien. Au revoir. C'est la Bérésina. Ok. C'est du vilain là, hein. Oh, il y avait un... Oui, c'est ça, c'est du vilain. C'est des hyènes, je sais pas quoi. Ok. Mais du coup, avec ça, en fait, on peut aller loin. Ah, j'ai capté... J'ai capté. Qu'est-ce qui se passe? The fuck? Oh non, je suis contre là.
On est où là? Oh mon dieu! Ça rigole plus là. Ok. What the fuck? Hein? Ça serait pas un hub, ça? Genre un... la croisée des chemins, quoi. Où on peut accéder à tous les mondes, en fait. Hein? Ce serait pas ça? Et les boules noires, c'est des mondes qui sont pas encore activés? Je vois bien ça, comme ça. On va voir. Je vais leur mettre une baballe dans leur boubouche et comme ça, ça fera une bouboule. Putain, ça remonte, ça. C'est ça, hein, je pense. Regardez. À mon avis, là, on arrive dans un monde... Voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc, en fait, on a plusieurs mondes qui sont reliés par un... par un hub. L'eau est plus sûre que la terre, petit Kinwan. C'est vrai, mais bon, bof. Là, je sais pas. Hein. Je me rappelle qu'il disait ça, ouais. Elle en a pas. On récupère Twinsen. Et la pichon. Oh là là, mais... Et Bugs Bunny. Il y en a plein qui se cachent là, à tous les coups. Tiens. On va se faire une armée de lapins. Yes, 5 lapins. Ça rime en plus. Wouh. Non, pas toi, j'étais déjà toi. Toi là-bas, là. Toi là, voilà. Viens là, tu viens. Et lol. Ok. C'est bon, je suis un... considéré comme un nécromancien maintenant. Ok. Comme Radagast dans le Hobbit, celui qui se fait tracter par les lapins. J'ai pas vu le Hobbit encore. Ni lu. Je devrais avoir dit lu d'ailleurs. Parce que lire avant tout. Avant de l'avoir vu. Quoi? What the fuck? Eh oh! Qu'est-ce qu'il me fait le jeu? D'accord. Décidé de d'Alta, tranquille, sans souci. Eh non, faut pas que je perde mes napins là. Venez là. Je suis en train de perdre tous mes napins. C'est à force de sprint, ça c'est pas bien. En plus, ils sont cons un peu aussi. Hein. Ils sont pas malins en fait. Les lapins. Donc les moutons, c'est trop con. Et les lapins, c'est pas malin. Peut-être que les rapaces tuent les lapins. Non, j'ai pas l'impression. Regarde, ils sont tous là. Hein. Ils sont tous par ici là. C'est juste que ils se bloquent en fait comme des cons. Merde, l'autre il est là-bas. Bon, c'est bon, on a assez en fait. On va pas se faire chier. Les lapins sont crétins. Voilà, les lapins crétins, effectivement. Bien vu, Calimone. Trop con les moutons, crétins les lapins. Oh la merde. Allez, viens, viens, venez, venez. Évidemment, c'est bloqué. Et là, on peut pas grimper, là. On peut que descendre, c'est sûr, ça. Et on peut faire une forêt avec les lapins, en fait. Regardez. On peut faire une forêt de buissons. Ils font des petites crottes et ça fait pousser des buissons.
Voilà, les amis les lapins. Crétin. Ah, mais sérieusement, reste pas bloqué dans le trou là, toi! Bon, la merde. Franchement, tant pis. Très utile apparemment. Ils sont extrêmement utiles. Bah! Ah ah, attention. Là, ils vont rester Keblo aussi, de toute façon. Ah non. Ah non. Est-ce qu'il faut virer tous les piafs? C'est ça le but du jeu, là? Ou c'est quoi? Je suis pas sûr de tout comprendre. Mais bon. Oh, mais sérieusement. Eh. Merci. J'ai pas besoin de me téléporter. Hein. J'ai l'impression qu'il m'en a téléporté quelques-uns par contre, mais bon. Bon, qu'est-ce que vous en dites d'ailleurs? Il est quelle heure là? Il est 22h30. On arrête dans une demi-heure. Est-ce que je le continue? Est-ce que je le continue? Franchement, ça me... Je sais pas. Ouais, je pense que ce serait dommage de l'arrêter là. Je pense qu'il doit pas être si long que ça. Ça tripe en tout cas, putain. Bon, je crois qu'il faut que j'arrête d'essayer de garder mes napas en fait. Sinon, on n'est pas sorti de la merde en fait. Du coup, il y a Simon de Science Fiction Web. Ouais, et j'ai l'impression, il y en a certains qui sont blancs, d'autres jaunes. Après, il y en a des noirs aussi, si ça se trouve, il faut les activer en fait. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et je me demande, si ça, il doit falloir activer des trucs dans chaque monde pour les valider en fait, je pense. Genre par exemple les triangles. Là je suis en train de me dire que peut-être qu'il faut faire envoler les oiseaux en fait. Je sais rien, ceux-là là. Pour activer un truc. Et au final j'en sais trop rien. Ou alors est-ce qu'il faut découvrir tous les loulous? Je ne sais pas. Nous gravitons tous autour des énigmes que nous pourrions ne jamais résoudre. Bah, je me demande si le jeu a une fin ou bien si c'est toi à un moment qui considère avoir tout fait. À mon avis, il y a une fin. Merci à mon... Le jeu te dit GG The End. Je pense qu'à un moment... Ouais, enfin... J'ai regardé sur Long To Beat et il y a une certaine... Il y a un temps pour... Enfin, il y est, quoi. Donc... Je me demande si en fonction de ce qu'on a résolu ou pas, ben la boule grossit ou pas. C'est possible. C'est possible. Mais voilà, c'est ça qui est intriguant. Oh, et les lapins noirs. Il est noir, le lapin. Cool. On va où? Du coup. Est-ce que ça fait autre chose, un lapin noir? Ça fait des crottes tout pareil. Et ça met des buissons tout pareil. C'est bien tout pareil. Ce sera un truc qui finira jamais. Il dure combien de temps? Je sais plus. Je me rappelle plus, je t'avouerai. Non, moi je pense que... Attends, on va regarder rapidement. On va regarder rapidement. Il dit 7 heures de jeu.
7 heures de jeu, ça fait 3 streams à peu près. Je me suis dit, ouais, ce serait cool. Et à mon avis, c'est juste que je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. C'est pas un jeu où il faut se prendre la tête, ça c'est clair et net. Et avancer sans. C'est pas grave, c'est tout, on n'a pas tout débloqué ni rien, on s'en fout quoi. C'est juste une expérience en fait. Je pense comme fait, journée, il y a une fin et plein de trucs à collection. Voilà, c'est ça. C'est plutôt cool à regarder. Ok. Bah cool. Oui, voilà. Puis après, c'est 2 heures par semaine aussi. Hein. Pas non plus. Oh, c'est quoi ça? C'est pas non plus comme si c'était 4 heures le dimanche, quoi. Parce qu'effectivement, là, je pense que plus de 2 heures. Je sais pas si jouer 4 heures d'affilée. Parce qu'en plus, le soir, comme ça, je suis fatigué. Moi, je m'attendais en fait à un petit peu plus. Comment dire? Un peu plus de réflexion. Le puzzle évident, en fait. Parce que là, il y a de la réflexion, mais en fait, il faut surtout essayer de capter ce qu'il faut faire plus que résoudre des énigmes, en fait. En espérant qu'il y ait une fin. Mais ouais. Après, moi, je vais pas aller me spoil, mais si vous voulez aller regarder dans les reviews Steam, par exemple, combien de temps les mecs ont mis, en général, pour les mecs qui disent qu'ils ont fini le jeu... ok, on a fait tout le tour là. Ouh là là. Maintenant, faut aller par là-haut. Et Jack Rabbit, il est toujours là. Tiens, on va choper d'autres d'autres lapins là, normalement. Yeah. Yeah. Sur les fleurs comme ça, si on court sur les fleurs, on chope des lapins. C'est pour ça que je me suis dit. Je vais pas me prendre la tête. Je vais pas essayer de tous les garder ou d'en faire un maximum au final. J'ai l'impression qu'on peut refaire spawn au final. Ah, il est en train de me faire mentir le jeu. Bon, tant pis. Oh oh! On peut sauter sur ces trucs là, d'accord. Au revoir les lapins! J'aime bien les cailloux. L'ombre du lapin bouge indépendamment, c'est bizarre. Ah non, mais c'était pas une ombre. C'était un lapin noir, non? Enfin, il me semble. Je peux me planter, mais... Enfin, je sais pas, à vrai dire, maintenant que tu le dis, j'ai peut-être pas fait gaffe. Mais il me semblait. Eh! Ah non. On est où là? Qu'est-ce qui se passe? Je planque. Si ça se trouve, il suffit juste de se balader et de faire gaffe à pas se faire bouffer le derrière par ces trucs là. Et puis d'aller un bout à l'autre du niveau quoi. Si c'est ça, c'est tranquille, c'est pisse, c'est cool. Par contre, si à un moment donné on tourne pendant 4 heures pour essayer de trouver ce qu'il faut faire, où il faut aller, là ça peut être lourd, dingue. Le truc qui me gêne surtout, c'est qu'on avait une quête. En fait, la prochaine fois, on retournera, quand on faudrait rentrer au hub et retourner... sur le premier monde où on a notre quête. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça, surtout. Là. On est en train de se balader, de faire des trucs. Mais à mon avis, on les fait dans le vent. Parce qu'il y a une espèce de quête. Alors là, je suis désolé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est joli, mais oh là là. The fuck? Je suis sûr que ça fait mal. Oui, ça fait mal.
Ok. Et ça détruit pas les pierres, j'aurais bien aimé. Si, ça détruit à moitié, non? Ouais, ok. Ça détruit les pierres, yes, 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 yes. Exactement ce qu'on veut. Détruit là. Ouais. Ah ben voilà, une quête. Wouh. Ok. Voilà une quête, d'accord, mais. Ok. Oh mon Dieu, encore des vilains pas chouettes. Je vais très vite, je vais très vite. Merci. Mais après, je sais pas, j'ai décidé de rentrer dans la grotte, j'aurais pas dû. Si, c'est bon en fait. Une quéquette, ouais. Une quéquette qui est très loin. Plus que loin. Oh là là. Ok. Allez, on court. Ouais, c'est loin, mais c'est faisable. On peut tenter ça avant d'arrêter. Ouais, largement, je pense. Ok. Par contre, elle est jaune. Elle est pas rose comme l'autre. L'autre quéquette, elle a été rose. C'est pas moi! Oh mon Dieu. Ok. Il y avait une côte encore, hein. Une cocotte même. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un cercle. Oh yeah. Yes. C'est Kékette, c'est plus l'eau. Hein? C'est plus loin. C'est à 7. Ok. D'accord. Ok, bien. La discussion sur le chat, c'est ma faute. Non, c'est la faute de Kalimoun. Virer de bord. Oh, ça, je m'y attendais pas. À ça. Pas mal, ça. Donc, alors, si je fais... Oh, des lapins violets! Oh là là! Oh, ils me font aller vite! Oh, c'est bizarre! Ah, c'est trop bizarre. Mais c'est à cause du LSD. Ah, bon, ça va, c'est pardonné alors. Ouais, ça se fait bien en fait là. Wouh! C'est trop chouette, c'est trop choupi! C'est choupinet! Ok. En haut. Lucy in the sky with diamonds. Désolé, je suis obligé hein, maintenant. Ah bah oui, bah on y est, bah voilà, on est là, là où il y a la quéquette. Est-ce que c'est juste pour nous dire c'est là que tu sors? Parce qu'il y a autre chose à faire. Comment je fais pour monter là? C'est passé par la droite. C'est la fin. Non bah non. Certainement pas. Par là, c'est là, il faut monter par là, mais il y a de la roche. Il y a de la roche.
Donc il doit falloir faire un truc. Là aussi, il y a de la roche. Mais quoi? Aha! Un dessin au sol me fait penser qu'il faut relier des choses. Genre ça? Oh non. C'est bizarre cet arbre. Je pose la question de savoir si le jeu nous donnera des réponses. Très franchement, j'en attends pas. Yeah, c'est ce qu'il faut faire, hein, oui. Un pentagramme, il faut faire un dessin. Est-ce que c'est un pentagramme? Je ne sais point. Il faut faire un dessin en faisant Schibnitz avec tous les trucs verts qu'on a vus là. Alors après... Là, est-ce qu'il va falloir monter? Le problème, c'est qu'on peut pas remonter là, c'est chiant. Visiblement, ça fait un truc. Faut juste trouver les bons endroits à activer, en fait. J'ai l'impression. C'est bizarre qu'il y ait un arbre là, comme ça, qu'on puisse rien en faire. Il y a des messages étranges quand même avec les dialogues, mais peut-être que la bonne attitude, c'est de pas chercher à comprendre. C'est ce que je fais en général quand je garde ça dans un coin de ma tête, quoi. Je comprends pas un truc. Et puis, certaines informations. Mais là, en fait, ils nous donnent des informations sur le monde, visiblement. Après, elles ont pas forcément de sens pour l'instant, en fait. Non, il faut pas que je change de zone, hein, je pense pas. Mais je pense qu'elles vont... Ça devrait devenir logique à un certain moment. Si je descends là, et ben j'aurais l'air con, mais en même temps j'ai pas le choix. Alors par là, rien. Ah ouais, j'ai l'air con. Ok, par là. Est-ce que ça restera une minute jusqu'au bout? Bah ouais, je sais pas. C'est une bonne question, Thiema. J'espère qu'on aura un semblant d'idée. Un semblant de compréhension, je veux dire, à la fin. Oh, le truc jaune, là. C'est ça, à tous les coups. Là, le truc, c'est que je vois pas où est-ce qu'il faut... Peut-être que je suive le... capter comment faire pour le maîtriser un petit temps. Ok. Est-ce que là? Non. Vas-y, je suis bloqué. Est-ce que ce truc là non, ça fait rien, putain. Je vois pas. On a fait tout le tour et je vois pas du tout où il faut aller.
Donc, on va revenir. Hein. Par où il y avait un chemin ? Il y avait un chemin par en haut ? Il y avait un chemin par en haut. Ok, on peut aller voir. Hein. Il me semblait pas. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Ah, ou alors, si, attends, si t'as raison, en fait, on peut monter par là, je suis con. Passer devant, je l'ai vu, en fait, je me suis dit non, on est déjà monté là. C'est ça. Ouais, GG, hibou curieux. GG. Ah ouais. GG. J'ai halluciné juste. Ok. On a tout fait. Maintenant, il nous détruit ce qu'il y a à détruire. Cool, cool, ouais, carrément. Allez. Donc là, j'imagine que c'est la fin du... regarder les couleurs, voir s'il y a une certaine... Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors là, ouais, alors là, tout le monde est... Ouf. Je suis désolé pour vos yeux. Mais là, c'est hardcore quand même. Il y a les cailloux là. J'aime les cailloux. Paint 1.0. Ouais. C'est chaud quand même. Des lapins bourrés. Là, j'ai ça pique les yeux quand même. Jusque là, enfin, là c'est, faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que bon. C'est quand même vert fluo. Ok. Oui, d'accord, mais ok, on n'a pas fait la droite. J'ai devenu avec moi aussi, je commence à saigner des yeux là. Ah, tu te fous de ma gueule le jeu là? Mais je vais où moi? Faut que je récupère tous les lapins, peut-être. Il y a 5 lapins. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a 5 branches. Non, il y a 6 lapins, ok. Mon idée, elle marche pas. Mais en fait, si, je pense qu'il faut récupérer tous les lapins. Oh putain, ils copulent comme des lapins, d'ailleurs. OMG, l'invasion des lapins. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? The end. Ah bah non. Ok, nous revoici au hub. Ok. Donc alors là, c'est jaune. Il y a deux blancs, deux... C'était blanc d'ailleurs avant qu'on y rentre, non? Ah ouais, non, blanc c'est l'entrée et jaune c'est la sortie? Un truc comme ça? Oh, je comprends pas. Je comprends pas. Ok. C'est ça en fait. Ça on peut pas rentrer, c'est noir. Est-ce que je reviens dans le premier monde? Là où il y avait une quête?
Ok. Ouais. Mais, hein? Ah, c'était peut-être pas le premier, en fait. Fuck. On est où, bordel? Oh là là, il y a plein de cerfs et de biches. Et de faons. On peut faire l'école des faons. Oh là là, faut que j'aille me coucher, je crois. Non mais ouais, rien que parce que j'ai envie de voir comment ça se termine ce jeu, on le fait en entier. Hein. Ça y est, c'est bon, c'est décidé. Je suis motivé là. Des arbres violets, plein d'arbres violets. Faut suivre les faons et les biches et les rennes. Ok. Salut. C'est bizarre ce qui se passe là. Ah ouais, bah oui, forcément. Ouais. Bon, rip. Allons par en haut. Allons par en bas. Continuons à droite donc. En bas. Ça a l'air d'être mieux. En bas à gauche. Ou pas. Ok. Ok, ça rejoint, donc il faut vraiment les éviter, ces trucs là en fait. C'est noté. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, aïe, 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 ça fait mal! D'accord. Et ça se trouve, le jeu va devenir beaucoup plus dynamique. Il va commencer à faire peur et tout. Vous allez voir, je suis sûr. Il y a un prank 2, on va pas se faire chier. Que j'ai activé ça. Je sais pas ce que ça a activé. Oh, il tue les moutons. Oh non. Oh non, peut-être qu'ils peuvent tuer les pierres. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mon dieu. Ok. Hein? Je me suis fait téléporter grâce aux moutons. Ok. D'accord. Mais là, il n'y a rien. C'est quand même vraiment spécial. Est-ce qu'il faut lancer des moutons pour les attirer ? Ah, c'est ça. Eh, hey, salut. J'ai sacrifié des moutons pour te parler. N'abandonne pas juste parce que tu ne comprends pas. Emmène-moi, je suis un ami. Ok. Ce jeu vous est présenté par Eddie Malou. Tout à fait. Et du vélo, tout à fait. Prêt. Ok. Et quoi là? C'est quoi ça? Ok.
continue vers le nord ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. On va aller à droite. Parce que pourquoi pas. Ok. C'est mon... Voilà. Ces moutons ne sont pas réels. Ne reproduisez pas ça chez vous. Comme c'est bien dit. Oh, un arbre violet. Ah ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Kalimoun. Les arbres violets, je ne les avais pas vus. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Alors, on va pas y revenir, hein, là où il y a les arbres violets, a priori. Qu'est-ce qui... Pourquoi ça a fait ça, là? Moi, je peux pas... Ça me fait... permet pas de monter, ça. N'abandonne pas le jeu après du prévu que tu deviennes fou et que tu partes. Attention, ils veulent te retenir dans l'espace temps perdu. Voilà. Les pierres te montrent la forme. Ouais. Non, non, je vais pas me téléporter. Oh, ok. Bah si, peut-être que je vais me téléporter en fait. Ok. Coucou Mishmush, faut arrêter les psychotropes, ça rend les arbres rouges et un bonhomme qui court. Comme ça sans savoir. C'est vrai. Avec une traînée bleue, hein. Pas oublier la traînée bleue, très importante. The trainee blue, the blue trainee. C'est le... Comme Charles trainee. Oh là là, mon dieu. Faut vraiment que j'aille me coucher, je suis fatigué. Hein. Ok, on revient là. Ah oui, on peut descendre à droite en fait. Ça va bien, Mishmush, tu arrives à la fin. Enfin, t'étais là depuis un petit moment, je pense, mais... On va s'arrêter à... Le temps que je me dise voilà, là c'est bon. Ah ouais, t'as raison, les pierres elles montrent. Il y avait trois pierres alignées comme tout à l'heure. Ça fait des moutons, c'est bien. ok. Mais je fais quoi? Il faut que j'aille là. Faut que j'aille là. Je fais quoi avec mes moutons là? Dis-moi le jeu, qu'est-ce que je fais avec mes moutons? Peut-être qu'il faut que je me téléporte avec les moutons en fait. Les moutons, ils vont se téléporter sur des arbres, c'est ça? Non, ils se téléportent que là, en fait. Là où ils sont nés, en fait. Ok. Ah, il y a des vilains Strom là-bas, en fait. C'est pour ça qu'il faut des moutons, c'est ça? Sauf que... Non, ils sont pas là. Ils sont derrière, là. Ils sont là, là. Mais comment est-ce qu'on peut passer par là? Ah mais en fait, attendez. La musique est plus stressante, faut pas chercher à comprendre pourquoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ils... oh putain, les moutons, ils ont téléporté les arbres. Pardon ? Mais j'en ai plus des moutons, moi, du coup.
What? ok. Bah oui, mais si tu m'en donnes plus le jeu, comment je fais? Ils sont là, les moutons. Mais moi, je veux y aller aussi. Personne t'a spoil là, le TP des appels les moutons. Bah non, non, non. Bah non. Tu peux pas te téléporter sur eux, bah non. Non, je peux pas faire grand chose là. Ce que je peux peut-être faire, c'est de voir s'il peut pas y en avoir d'autres qui repoussent. En faisant ça. J'arrive à la fin, coucou les gens quand même. Coucou Weddon, quand même, t'arrives à la fin. J'aurais dû arrêter depuis quelques minutes là. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est bloqué. J'espère qu'on n'est pas bloqué. Pour de bain. Mais à mon avis. Il fallait. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, à force de me téléporter. Ça me ramenait là où les moutons étaient créés, mais au final, peut-être que vu que fatalement il y a les arbres qui ont été portés ailleurs. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est bloqué là. On peut pas monter là. On va tous finir dingo. C'est sympa, je crois l'avoir mis de côté en wishlist en attendant seul des compagnies. C'est sympa. Ah, j'ai réussi à passer en fait. C'est pas là que j'aurais dû aller en fait. Ok. C'est sympa, mais il faut aimer les jeux où tu comprends rien. Je te préviens. Ah bah super. En fait, les revoilà les moutons. Faut juste aimer les trucs bien cryptiques et explorer en fait. Voilà là. Wouh. Faut aimer se faire bouffer par des renards bizarres qui se dédoublent aussi. Je comprends pas trop ce qui se passe là. Vous voulez pas me pondre d'autres moutons là, le jeu, s'il vous plaît. Apparemment, ils veulent pas. Hein. Pas trop comment on peut faire. Wow, ok. Bah si on crève. Il est très très original en tout cas. Il est très très original. Je pense que t'auras pas joué à un jeu qui ressemble à ça. C'est pas possible. Il est fidèle à. Voilà, c'est un jeu à part entière là. Bon. On va s'arrêter là, je pense. Hein. S'arrêter là. Et là, on commence à voir un passage du jeu où on commence à crever un peu. Je peux vraiment pas passer là, en fait. Ok. Et c'est pas plus mal. Par là. C'est plutôt cool, ouais. Comme dit Thiomas. C'est intriguant. Que j'ai pas visité par là. Mais bon. Y'a rien.
Voilà, faut aimer les trucs zen aussi. Hein. Oui, Dan, faut, ça, il n'y a, pas trop d'action. Et... et la musique est plutôt, plutôt tranquille. C'est propice au dodo. Par contre, je ne peux pas m'arrêter apparemment là. Dernier run, allez, cette dernière run. Où est-ce qu'on va? Pas par là. Aïe, on peut descendre à droite là. C'est un jeu fait pour les péripatéticiens. Voilà. Ok, nous revoici. Là où on a des moutons. Viens là, mouton. Viens là, mouton. Viens là. Attends, c'est... je ne sais pas. Ah, je suis où là? Yes. Yes. C'est fait. Ah! Mordel! Il y a un bébé mouton. Il y a un bébé mouton. Point de save fixe. De... oui. Non. Il y a des checkpoints, on dirait. Oui, il y a des checkpoints. On peut pas sauver manuellement, si c'est ça que tu demandes. Il y a un loulou là-haut, il faut que je trouve le loulou. Comment je vais au loulou? Ah, je vais aller au loulou. Faut que je me téléporte, là. Mordel de berde, exactement. Je ne vois pas comment monter, là. Merde. Merde. Ok. Ils ont 3 points de téléporte, ces cons de moutons. Oh, mais attendez, j'ai compris ce qu'il faut faire. Il faut téléporter le bout de mur, en fait. C'est ça. Ah, mon Dieu. Ah là là. Putain. Merci. Mais c'est d'une débilité. Comment on fait pour aller là-haut, en fait, aussi? À tous les coups, il faut y aller en sautant avec le cerf à droite. Donc, il faudrait réussir à monter là. Merci. On va tourner autour de ça, voir est-ce qu'on peut monter là-haut. J'ai l'impression. Ok. Là, on peut zoner en bas. Bah ouais. Hein. Allons-y. Je pense qu'on pourra continuer la semaine prochaine. Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. On a réussi. On a réussi à débloquer l'avatar. Ah, ça c'est peut-être pour quand on est coincé sur un endroit, dans une texture. Ils ont prévu un stock. Ah, c'est bien ça. Bon, bref. Ah, mais non, pourquoi tu quittes le jeu comme ça? Le jeu, c'est pas très gentil. Je te demande de quitter vers le menu, pas de quitter vers... Bon, c'est pas grave. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Delkino avec l'épisode numéro 1 de Future Unfolding. Merci beaucoup et à la prochaine. Doom, 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 boom.